Nabila a fait son grand retour sur le devant de la scène cette année avec tous ses projets. La jeune femme a notamment retrouvé le chemin des plateaux pour la promotion de sa nouvelle émission de télé-réalité. Elle est chaque jour sur NRJ 12 pour les incroyables aventures de Nabila et Thomas en Australie. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour une de ses frasques dans l'émission qu'elle fait parler d'elle. La jeune femme, qui a déjà des envies de maternité, est apparue avec la lèvre gonflée, comme un dème sur la lèvre supérieure. Très rapidement, Nabila a tenu à faire taire les rumeurs, en confiant qu'elle s'est mordu la lèvre d'où le gonflement. Mais certains fans ne sont pas convaincus par cette explication. Sur Instagram, le compte de ses soulignements l'eau dévoile que Nabila aurait en réalité eu recours à la chirurgie pour faire gonfler ses lèvres. Sur le compte Instagram, on peut lire, c'est surtout le même genre d'œdème et gonflement que tu as après les injections d'acide hyaluronique. Pour ne pas assumer et continuer à prendre les gens pour des débiles, ou faire messager à la limite. Ses soulignements l'eau explique ensuite qu'une de ses amies avait également fait des injections et avait eu le même problème au niveau de sa bouche. Alors est-ce que Nabila assumera-t-elle d'avoir gonflé ses lèvres? Affaire à suivre.